à tous, on refait un nouveau test pour le son. J'ai mis un micro cette fois-ci, alors je ne sais pas si vous nous entendez bien et si ça fonctionne. On me dit que ça fonctionne, super. Alors c'est parti pour ce premier Twitch de l'année. Bienvenue à tous, ravi de vous revoir. Avant toute chose, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et merci déjà dans le chat de présenter aussi vos vœux. Alors on a choisi pour ce premier Twitch avec vous cette année un sujet qui peut paraître un peu lointain ou un peu technique ou un peu difficile. On va parler de l'Union européenne, de l'Europe, mais en fait vous allez voir à quel point c'est dans votre quotidien de tous les jours. Et j'ai avec moi un invité exceptionnel, Bruno, qui se présentera dans un moment, qui est le Monsieur Europe du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Mais je le laisserai se présenter. En tout cas, on est très heureux d'être de nouveau avec vous cette année pour ces Twitch tous les jeudis à 18h. Et je le dis avant de commencer ce moment d'échange avec vous, n'hésitez pas si vous avez des idées, des souhaits pour ces débats qu'on fait chaque semaine sur Twitch le jeudi à 18h. Envoyez-nous des messages pour nous dire les sujets que vous souhaitez qu'on traite ensemble. On parle Union européenne ensemble. En quoi le ministère de l'Intérieur s'intéresse à l'Union européenne? Parce que depuis quelques jours maintenant, c'est la France qui a la présidence de l'Union européenne. Alors tu vas nous expliquer, Bruno, exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que pendant 6 mois, l'Union européenne se met aux couleurs de la France? C'est pas du tout ça en fait, hein. C'est beaucoup plus compliqué, mais on va avoir un rôle d'animation, de coordination dans cette Union européenne. Mais est-ce que tu peux déjà te présenter pour que les gens savent à qui ils ont affaire? Et nous expliquer ce que tu fais au ministère de l'Intérieur sur ces questions. Très bien, et ben, je suis enchanté d'avoir cette première occasion de témoigner du plaisir que j'ai à travailler sur ces sujets au ministère. Ça fait un peu plus d'un an que je suis sur ces fonctions de préparation de ce semestre de présidence française de l'UE. Au sein de la nouvelle direction des affaires européennes et internationales qui est placée au cœur du ministère auprès du secrétaire général et en lien avec le cabinet du ministre. C'est évidemment pas mon premier poste au ministère. Quand j'ai commencé comme directeur de cabinet d'une préfecture sur les sujets de sécurité en particulier. Ensuite, on m'a appelé au ministère pour traiter d'immigration. Et en fait, c'est là que l'aventure a commencé, puisque l'immigration, du fait des liens évidents avec l'espace Schengen, c'est un sujet qui est très européen, très international, bien entendu. Et donc, après 2 ans sur ces sujets, j'ai été appelé à Bruxelles, à l'ambassade de France, auprès des institutions européennes, qui s'appelle la représentation permanente, la RP pour les intimes. La RP, je pense qu'on en reparlera. Et donc j'ai passé 3 ans et demi à Bruxelles en tant qu'agent du ministère de l'Intérieur, mais mis à disposition des affaires étrangères. Et j'avais le grand honneur et le grand bonheur de représenter la France dans les discussions sur l'immigration clandestine en particulier. Tu es spécialiste d'immigration, toi notamment. On va parler de plein de choses durant ce Twitch, mais c'est une de tes spécialités. C'est un sujet qui bouge très vite, donc c'est difficile de se maintenir à jour, mais c'est vrai que c'est un sujet que je connais mieux que les autres. En tout cas, depuis maintenant 1 an, j'ai suivi à Paris mon ancien chef à Bruxelles pour préparer cette présidence française. Et maintenant, donc avec toute une équipe d'une dizaine de personnes et beaucoup d'autres collègues au sein des services et toujours à Bruxelles, pour faire en sorte qu'elle se passe du mieux possible. Alors j'avance un peu le micro parce qu'avec les masques, Anunator, d'ailleurs bonjour Anunator, on me dit que vous ne nous entendez pas complètement bien. J'espère Anunator qu'ainsi tu nous entendras mieux et que tout le monde nous suivra mieux. Voilà, on essaie d'améliorer le son, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Je pense que comme ça va aller beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, tu viens de le dire, tu es en charge de préparer cette présidence française de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous réexpliquer juste un petit peu mieux les différentes instances de l'Union européenne, la différence entre le Conseil de l'Union européenne, d'autres instances dont on parle parfois, le Conseil européen notamment, le Parlement européen aussi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer et puis après nous dire qu'est-ce qu'on va faire finalement pendant cette PFUE, pourquoi la France a la présidence? Bah, c'est vrai que l'UE, c'est un objet politique un peu non identifié. Ça n'est pas un État, ça n'est pas une organisation internationale. À la base, il y a les États qui en sont membres, qui ont signé des traités. C'est les traités qui cadrent tout, c'est ça qui est à la base.
Mais les traités ont établi plusieurs institutions pour que ça fonctionne et qu'il y ait un dynamisme et qu'à la fois les États membres gardent une maîtrise de la chose, mais qu'en même temps, ce soit pas tout le temps pris en otage par les négociations et les difficultés qu'ils peuvent avoir. Donc on a la Commission, que tout le monde connaît, elle n'a pas de rôle de décision, sauf sur des aspects purement techniques. Elle a par contre le monopole des propositions officielles de réforme. Donc c'est très important, bien entendu. Et c'est elle aussi qui vérifie que le droit européen est bien appliqué sur le terrain. C'est elle qui apporte toutes les idées de réforme, les nouveautés, les évolutions. Alors du moins, c'est elle qui les met sur le papier et qui propose qu'on en parle. Parce que, bien entendu, elle n'est pas sourde et elle nous parle beaucoup et nous, on lui parle beaucoup. Donc ça arrive souvent que la France, comme d'autres États membres, lui propose des idées. Et alors, elle les note, elle les digère, si je puis dire, elle en fait son miel et elle les propose parfois sous forme de nouvelles législations qu'il revient aux deux autres institutions cruciales de l'UE de discuter et d'adopter. C'est le Conseil des États membres, donc ça c'est vraiment nous, je vais en reparler, et le Parlement. Le Parlement, tout le monde connaît, je pense, donc c'est les élections européennes, il siège à Strasbourg, mais aussi de temps en temps à Bruxelles, et il est ce qu'on appelle co-législateur, parce qu'il y a deux législateurs. Il y a le Parlement, j'en ai parlé, et le Conseil. Et le Conseil, c'est tout simplement, en fait, ce sont les réunions des ministres de tous les États membres. Et c'est là ce qu'on va faire pendant 6 mois. C'est ça. À la présidence, on va présider ce Conseil des Voilà. ministres de l'Union européenne. C'est un peu ça, Absolument. en fait. Parce qu'on ne peut pas avoir toujours la même personne qui préside les réunions. Et je pense que chacun sait que pour qu'une réunion se passe bien, que ce soit une assemblée générale de copro ou d'associations de parents d'élèves, bah, faut qu'il y ait un président. Ça ne va pas être toujours le même. Donc on tourne, comme dans toutes les organisations internationales, et on tourne tous les 6 mois. Du coup, nous, bah, comme on est 27, puisqu'on n'est plus 28, on a été 28 un petit moment, maintenant on est 27, et ben ça revient tous les 13 ans et demi. Donc j'ai coutume de dire que quand je mettrai la clé sous la porte et que je ferai mon petit rapport de fin de mission, bah, ce sera pour un collègue qui viendra en Dans 13 ans en et demi. 2035, quelque chose comme ça, voilà, c'est Donc ça. c'est quand même bien et on a intérêt à en profiter Ah, on a et intérêt à c'est en chouette profiter. d'être président quand même. Enfin C'est très voilà, chouette. c'est pas tous les jours qu'on peut dire qu'on est C'est président de quelque chose, donc Alors on moi, va je en suis, moi, profiter. moi, je suis pas personnellement, je suis pas président. C'est les collègues qui sont à Bruxelles qui président eux-mêmes les réunions. Et au premier chef, c'est le ministre, hein, qui préside Bien les sûr. réunions du Conseil des ministres des Affaires intérieures. Mais c'est vrai que la France a cette responsabilité. Comme je disais, enfin, je suis peut-être un petit peu long, mais donc c'est là. C'est pas parce que c'est la Commission qui est la seule à pouvoir proposer des choses officiellement que la présidence n'a pas de pouvoir d'initiative. Parce que quelqu'un qui dirige une réunion, c'est la personne qui va décider de l'ordre du jour de cette réunion. C'est la personne qui va aussi décider sous quel angle on va parler de la réforme qu'a proposée la Commission, par exemple. Donc c'est très très important parce que on sait très bien, et on va en reparler, que dans nos sujets, il y a des sujets qui sont quand même plus difficiles que d'autres. Et 27, c'est très compliqué. Déjà, c'est parfois compliqué qu'un réveillon se passe bien quand on commence à parler politique en famille. Donc, quand on est 27 autour de la table, ça peut vite être difficile puisqu'on parle que politique. Donc, c'est à nous, en ce moment, d'essayer, par exemple sur l'immigration ou encore sur d'autres, d'amener le mieux possible les débats pour que des réformes qui sinon risqueraient de s'enliser, si on s'appesantissait chacun sur ce qui ne nous convient pas, eh bien qu'on amène une dynamique et à la fin, si possible, un vote favorable. Alors, un bon président pour toi, c'est celui qui va savoir organiser, animer, pour pouvoir permettre finalement une bonne prise de décision. C'est ça un bon président. C'est exactement ça. C'est aussi un président qui, de temps en temps, va amener quelques idées neuves, parce qu'il y a des choses qui sont pas que des réformes législatives, hein. On ne fait pas perpétuellement de la loi et on n'a pas pour, comment dire, faut pas penser que l'Europe se résume à une machine à produire des textes. Il y a aussi beaucoup de coopération concrète. Et là, autant la Commission a le monopole des propositions législatives, autant un État membre qu'il souhaite, et a fortiori une présidence, peut tout à fait prendre des initiatives et proposer qu'on commence à parler de sujets un peu concrets, un peu opérationnels. Et ça, c'est aussi un rôle que l'on prend très à cœur. Alors, on va parler un peu de fond dans un moment. Alors, Lucas Inforéseau, bonjour, hein, un fidèle du Twitch, qui avait deux questions déjà. Quelles études tu as faites? Donc ça, c'est plus personnel, mais je pense que Bruno, tu vas y répondre
de bon cœur, et sinon, qui nous demandait quelles lois finalement votent les eurodéputés et comment ça s'applique après dans notre pays. Ouais. Alors ça, c'est un peu générique, on va commencer par ça, puis après on rentrera dans les détails de ce qui intéresse plus techniquement le ministère de l'Intérieur. Absolument. Eh bien, les études que j'ai faites, tout d'abord, c'est hélas, c'est d'un classicisme terrible. J'ai fait un bac S, après j'ai fait Sciences Po à Paris, et puis ensuite j'ai fait l'ENA. Donc j'ai pas fait d'études européennes, d'études diplomatiques. Je pensais vraiment pas en fait m'occuper d'affaires européennes, mais c'est les opportunités de la vie qui vous amènent à faire ça. Et puis quand même, il me plaît de me rappeler de temps en temps que si j'ai choisi de faire Sciences Po il y a de ça quelques années maintenant, même si je suis pas encore très vieux, c'est que c'était l'époque de la guerre en Irak et j'étais au lycée et j'avais été très impressionné par le discours de Dominique de Villepin. Et je m'étais dit, bah, moi, plus tard, je voudrais être diplomate. Et donc, j'avais regardé, il y avait un exemplaire de l'étudiant qui traînait comme par hasard sur la table parentale, comment devenir diplomate. Ah, bah, il faut faire Sciences Po. Ah, donc, j'avais fait Sciences Po. Et finalement, je m'étais dit, bon, je ne veux pas être diplomate, je préfère travailler pour l'État en France. Mais c'est drôle de voir comme la vie vous rattrape et comme parfois des petits rêves d'enfance ou d'adolescence, du moins, trouvent une concrétisation à laquelle on ne s'attendait pas trop. Mais ce que ça montre surtout, c'est que en commençant à travailler sur un sujet du cœur régalien du ministère, c'est-à-dire l'immigration, on se retrouve en fait en deux temps, trois mouvements, sans trop comprendre comment, dans la grande machine des 27, parce qu'il n'y a quasiment aucun sujet du ministère qui échappe aux discussions à Bruxelles. C'est ce que j'allais dire. Des fois, on a l'impression que l'Europe est loin ou les questions internationales sont éloignées, mais en fait, l'Europe est partout dans notre quotidien. Moi, je le vois au ministère de l'Intérieur. Si on parle d'affaires criminelles, il y a de la coopération européenne. Si on parle d'immigration, il y a des implications européennes. Si on parle de sécurité civile, c'est comme si on parlait Europe. Finalement, l'Europe, elle est un peu partout aujourd'hui. Bah, complètement. On va bien sûr se limiter au sujet du ministère de l'Intérieur, mais vous, chacun sait que l'Europe, elle est dans notre portefeuille, donc avec l'euro, et puis elle est sur les étals de nos supermarchés, puisqu'on peut consommer des biens qui sont produits dans l'Europe entière sans aucun droit de douane. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous savez que vous pouvez commercer sans aucune formalité avec les autres États membres. Donc l'Europe, elle est totalement présente dans nos vies quotidiennes. Et la sécurité, l'immigration, les titres d'identité n'y échappent pas. Alors les titres d'identité, c'est bien que tu en parles, c'est notamment la carte nationale d'identité, elle vient de changer. Aujourd'hui, si on a une nouvelle carte nationale d'identité, elle est beaucoup plus petite, hein, voilà. De la taille d'une carte bleue, et elle est européenne, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans tous les pays, on a tous la même, les citoyens européens. Absolument, et j'avais eu la chance non pas de participer moi-même aux négociations sur ce texte, mais d'en être relativement proche, et je peux témoigner que l'esprit qui présidait à cette réforme, c'était tout simplement de simplifier la vie des citoyens, et des forces de l'ordre qui, tous les jours, contrôlent des individus suspects, etc. Et il faut se mettre dans la peau d'un policier français ou d'un policier en Estonie, par exemple, qui voit une carte d'identité slovaque, qui ne parle pas le slovaque, qui n'est pas habitué à voir son filigrane et son hologramme. Et il est incapable, en fait, dans les délais du quotidien, de vérifier si c'est un bon titre ou pas. Et par ailleurs, on se faisait souvent des reproches à fleurer moucheter entre États membres sur les degrés variables de sécurité de nos cartes d'identité. Et d'ailleurs, notre ancienne carte d'identité, celle que j'ai encore dans ma poche du reste, était loin d'être la plus sécurisée en Europe, et on nous le disait. Et pour un État membre qui, comme nous, est très attaché à la sécurité des frontières, c'était assez paradoxal. Donc là, maintenant, on a une carte d'identité qui est, je crois, au plus haut niveau de ce qui se fait dans le monde, et c'est la même partout en Europe, et c'est bien plus pratique pour tout le monde. Alors nous, on a la présidence française de l'Union européenne là pour 6 mois, donc on va présider ces réunions entre les ministres qui vont décider d'un certain nombre de choses ensemble. Finalement, quels sont les grands enjeux pour nous au ministère de l'Intérieur? Quelle politique publique on souhaite mettre en avant avec nos partenaires européens durant ces 6 mois? Bien, sur la table des négociations que l'on prend comme elle est, après, quand il arrive notre tour de présider, on a un nombre qui est assez rare de textes, on en a une bonne trentaine, avec notamment un
gros ensemble de textes sur l'immigration, qu'on appelle le pacte sur la migration et l'asile. Il s'y ajoute très proche un ensemble de réformes sur Schengen. Et ce sont des textes que nous avons depuis plusieurs mois, à la demande du président de la République, que nous avons essayé d'influencer, d'accompagner la Commission dans sa réflexion. Donc, ils nous conviennent plutôt bien, mais au demeurant, en tant que présidence, la question, c'est pas est-ce qu'ils nous conviennent, c'est comment on fait pour que à 27, on se mette d'accord sur un texte. Ça va être ça l'objectif. Voilà. Donc, sur l'immigration, il y a clairement des attentes fortes, parce que, du reste, vous le savez peut-être, le Parlement européen, qui doit aussi donc statuer sur ces textes, tient ses élections dans 2 ans, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une grosse année avant que la campagne ne commence. De même, la commission actuelle von der Leyen est synchronisée sur ce calendrier. Donc, si on veut que sous ce mandat actuel, il y ait des résultats sur les réformes, la présidence française, par hasard, tombe au bon moment pour donner une impulsion décisive, on l'espère. Donc ça, c'est pour l'immigration et sur les frontières, sur la sécurité de Schengen. C'est vraiment très, très, très important et chacun le reconnaît. Et ensuite, sur la sécurité de manière générale, on a sur la table des textes alors qui sont assez techniques, mais qui peuvent vraiment changer la vie des forces de l'ordre pour fluidifier leurs échanges d'informations au quotidien. Puisqu'à l'heure actuelle, pour la faire courte, quand un policier cherche à vérifier si par exemple un profil d'ADN d'un suspect est connu dans un autre des 27, eh ben, il doit demander aux 27 séparément. Donc ça prend un peu de temps et c'est pas très pratique. Eh ben, demain, avec la réforme qui est sur la table, il y aura un système central et il adressera simultanément sa requête à tout le monde. Et la réponse lui viendra dans l'autre sens. Ça, c'est ce que la France propose, et dans le cadre de la présidence, c'est ce qu'on espère que nos partenaires européens... Alors, plus exactement, c'est ce que la Commission propose, mais on a été à la manœuvre depuis de nombreux mois, et on n'était pas les seuls à dire à la Commission qu'il fallait faire évoluer les choses. De proposer ça. Et ça ne porte pas que sur les profils des ADN, ça porte aussi sur les plaques d'immatriculation, etc., etc. C'est quelque chose qui sert au quotidien aux policiers et aux gendarmes et aux juges aussi, aux magistrats qui enquêtent. Finalement, les affaires européennes, c'est un peu des affaires intérieures aujourd'hui. On ne peut plus faire de barrière entre l'international ou l'Europe et l'intérieur. Tout est lié. Bah, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de barrière. De toute façon, ça fait 30 ans que les contrôles aux frontières, intérieures ont été levés dans le cadre de Schengen. Et disons que tout est parti de là, parce que quand il y a un espace de libre circulation et que les honnêtes gens, comme les gens qui ont des choses à se reprocher, peuvent circuler sans aucune contrainte, on ne peut pas envisager que les policiers des États membres circulent aussi sans aucune contrainte d'un État membre à l'autre. Par contre, il faut qu'ils aient les mêmes outils, il faut qu'ils aient le même langage, la même manière de travailler dans une certaine mesure, et il faut aussi qu'on ait à peu près les mêmes méthodes de part et d'autre. Donc, c'est une longue marche pour réussir à reconstruire et à améliorer toujours plus nos process internes, là où les frontières, de fait, dans le monde qu'on connaissait, de toute façon, même si Schengen était, enfin, même si les contrôles aux frontières intérieures étaient demeurés, même s'il n'y avait pas eu Schengen, il aurait quand même fallu qu'on ait une telle coopération, parce qu'on est trop proche de nos voisins et les gens vont trop vite, circulent trop pour qu'on puisse en faire l'économie. C'est très clair. Alors, on a une question de Lucas qui, je pense, va te faire réagir à plus d'un titre. Lucas, il nous demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'agents du ministère de l'Intérieur qui sont déployés au siège de l'Union européenne ? Alors, le siège de l'Union européenne, c'est un peu compliqué. Alors, un grand merci, Lucas, pour cette question. Pendant la PFUE, il y a plus d'agents du ministère de l'Intérieur que d'habitude qui sont à l'ambassade de France auprès de l'UE, qu'on appelle la RP, la représentation permanente. Parce qu'il faut qu'ils président les groupes, il y a beaucoup plus de travail. Donc là, les collègues sont une petite vingtaine à faire ce travail-là. Mais en temps normal, quand j'y étais, on était une dizaine. Et par ailleurs, les institutions comme la Commission, les fonctionnaires du Conseil ou du Parlement sont très demandeuses qu'on leur envoie du personnel pour
tâter un peu de l'expérience plus opérationnelle que l'on peut leur donner. Donc des policiers, des gendarmes, des pompiers qui étaient sur le terrain il y a peu peuvent aller conseiller finalement ou expliquer. Bah, ils deviennent temporairement fonctionnaires de la commission, par exemple. Et ça, c'est très important parce que autant nous, au ministère de l'Intérieur, on a cette chance immense de pouvoir changer de métier tous les 3 ans à peu près et d'aller sur le terrain et de revenir sur des fonctions plus de conception, autant les collègues qui sont à Bruxelles dans la commission et tout ça, eh ben, ils restent à Bruxelles et ça leur donne bien entendu un poste d'observation qui est unique, mais ils restent dans leur poste d'observation. Donc on a toute une démarche d'encouragement des carrières qui passent par Bruxelles aussi pour aller au sein des institutions parce que ça aide les institutions à être plus efficaces et nous ensuite ça nous donne des collègues qui ont des parcours riches et qui reviennent eux-mêmes avec des choses à apporter dans leur service. Alors on a Marie qui nous pose aussi la question, la France a-t-elle une ligne directrice qu'elle souhaite impulser dans sa présidence? Si oui, laquelle? Et moi je rajouterais, et surtout nous au ministère de l'Intérieur. Ben absolument. Nous avons une devise qui a été définie par le président de la République qui tient en un triptyque, relance, puissance, appartenance. Alors comme toutes les devises, il faut en faire une interprétation peut-être, mais ce que vous sentez derrière ce rythme et derrière ces syllabes et ces mots qui sont forts, c'est qu'on veut une Europe qui fasse, qu'on veut une Europe qui protège. Et c'est quelque chose qui correspond particulièrement à l'ADN de notre ministère. Nous, on est un ministère... On fait face à la crise, oui. On fait face au réseau de délinquance. C'est complètement ça. Quand une administration du ministère de l'Intérieur, une préfecture, un commissariat, une administration centrale, quand elle n'arrive pas à atteindre le résultat qu'on lui donne, ça se voit tout de suite par un problème sur le terrain. Donc nous, c'est quelque chose qui nous parle. Et on essaye d'apporter ce même esprit dans les négociations. Avec bien sûr un esprit de diplomatie, on sait être un peu diplomate parfois au ministère de l'Intérieur, on essaye, mais avec cette exigence de résultat. On veut que au bout de 6 mois, les collègues nous disent eh ben voilà, c'était pas mal et ça a changé dans 13 notre ans et demi, voilà. Vivement dans 13 ans et demi. Moi, ce que j'aimerais bien, et je pense que je me fais aussi le porte-voix, c'est mon rôle des policiers, des gendarmes, des pompiers de terrain, c'est que ça change quelque chose dans notre quotidien. Les exemples que tu as donnés sur le contrôle d'une pièce d'identité, par exemple, c'est très parlant pour montrer que finalement, les nouveaux outils européens peuvent être partout. Alors là, on a parlé de l'immigration, on a parlé des titres, des pièces d'identité. Je crois aussi qu'il y a des questions sur la sécurité civile, par exemple, qui vont peut-être être abordées. Absolument. La sécurité civile, c'est l'un des sujets qui font le plus consensus parmi ceux que l'on traite, parce qu'on voit tous qu'on a des risques qui sont de plus en plus divers, de plus en plus forts aussi, et la pandémie n'est pas là pour me démentir, puisqu'on s'y attendait peu, et c'est un risque qui est évidemment très très fort. Le changement climatique nous apporte aussi son lot de catastrophes qui n'avaient pas été vues précédemment sur les territoires où il se passe. Par exemple, en Suède, il y a 3 ans et demi, il y a eu de terribles feux de forêt. En Allemagne, encore cet été, les inondations. Donc nous, on souhaite notamment faire discuter les collègues à Bruxelles sur le sujet de l'impact du changement climatique sur la sécurité civile. Parce que ça fait quelques années qu'on a réussi à se doter d'une espèce de réserve d'intervention de sécurité civile commune en Europe. Et c'est vraiment quelque chose que l'on a beaucoup poussé, nous. Et on a d'ailleurs, sur la base de sécurité civile de Nîmes, des avions qui vont de plus en plus être cofinancés par l'UE et qu'on pourra comme ça mettre à disposition d'autres États membres, et on a déjà commencé, quand il y a une catastrophe sur leur territoire. Et on voudrait... Donc ça, c'est la mise en commun, finalement, de moyens. Et quand il y a un pays qui fait face à quelque chose d'inhabituel, qui le dépasse, un risque majeur ou une catastrophe, et bien, il peut avoir recours à ses outils, à ses moyens matériels et humains aussi, ou seulement matériels ? Les deux, puisqu'il va de soi que quand on amène un avion, bah, il faut qu'il y ait les pilotes aussi, etc. etc. Mais ça vient de l'idée qu'il y a des États membres, par exemple, qui n'ont pas les moyens ou qui ne voient pas l'utilité, parce qu'ils n'ont pas souvent des feux de forêt, de se doter de Canadair. Donc nous, qui en avons plus l'usage, on peut les leur en prêter. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait d'ores et déjà. Mais on voudrait
le mettre en perspective par rapport au sujet du changement climatique, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans les achats qu'on va faire ensemble, dans les priorités, dans la planification. Et puis aussi, on voudrait davantage mettre l'accent sur le rôle de tous les citoyens qui concourent à la sécurité civile. Chez nous, ce sont les volontaires en particulier, les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent, je crois, plus des deux tiers, voire les trois quarts du nombre de pompiers en France. C'est aussi le cas dans d'autres États membres. Mais chez nous, comme dans d'autres encore, c'est aussi le cas des associations et des bénévoles purs et simples. Et ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on comprenne tous ensemble à Bruxelles, parce qu'encore une fois, moi, quand je dis Bruxelles, j'en parle pas à la troisième personne. C'est nous, Bruxelles, vous voyez. Il faut qu'on comprenne tous ensemble que les volontaires, les bénévoles, tous ceux qui prennent sur leur temps pour concourir à la sécurité de tous, eh bien, ils font partie de cette force de sécurité civile qui nous est commune et qui nous est chère. Donc, il faut qu'on voit comment on peut préserver ça et encourager ça. Alors là, on parle de la sécurité civile. Nous, on aime tous nos sapeurs-pompiers volontaires, nos sapeurs-pompiers professionnels. On est très attachés en France, comme dans tous les pays, à cette profession. Donc, c'est un sujet très consensuel. Est-ce qu'il y a parfois des sujets où il y a des tensions, où il y a de la négociation, où il faut vraiment être bon diplomate pour les faire aboutir? Parce que peut-être que des fois, on n'est vraiment pas d'accord sur certains points. Non, ça n'arrive pas, ça. Non, je plaisante. ça peut arriver. Ça peut arriver, bien entendu, et c'est vrai qu'à 27, c'est toujours. Alors, comment on négocie pour arriver quand même à un consensus au final? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe tard dans la nuit, autour d'un bon repas? Est-ce qu'au contraire, on essaie de trouver des alliés? Il y a bien entendu le côté humain et un peu romantique de la diplomatie, voilà, oui, certes. Mais avant toute chose, il faut partir des bases, parce que la diplomatie, comme tout dans la politique, c'est du rapport de force aussi. Donc, quel est le rapport de force? C'est celui qui est défini par le nombre de voix qui est assigné à chaque État membre. Bien sûr. La règle de vote entre États membres, ce n'est pas la majorité simple ou l'unanimité. Enfin, il y a un tout petit peu d'unanimité dans certains cas, mais maintenant, en général, depuis une vingtaine d'années, c'est la majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'il faut qu'un texte rassemble à la fois un peu plus de la moitié des États membres, et qu'il représente les deux tiers de la population. Donc il faut faire quand même des bons calculs, voilà, pour savoir si ça va passer ou pas passer. Mais heureusement, il y a une application qui peut le faire pour vous. Voilà. On est moderne, à Bruxelles, comme tu dis. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'il faut éviter, quand vous avez une bonne idée en tête ou que la Commission présente quelque chose, il faut éviter que des États membres représentant 35% de la population s'y opposent. Parce qu'alors, on a ce qu'on appelle une minorité de blocage. Donc, en permanence, quand vous négociez, ou a fortiori quand vous présidez, vous avez en tête, bon, est-ce que, sur ce texte, est-ce qu'on a là des États membres qui représentent 35% de la population qui sont contre? Et j'ajoute que du point de vue français, eh ben, quand on est contre, c'est pas si compliqué de le faire entendre. De bloquer. Outre qu'on est la France, qu'on a du prestige, etc., etc., du moins c'est ce qu'on se plaît à croire, il y a aussi la froide raison des chiffres. C'est qu'on représente 12 ou 13% de la population, donc des votes. Et le couple franco-allemand sur lequel dont on parle tant, pour des raisons historiques, sentimentales, etc., c'est aussi une raison mathématique. C'est qu'avec l'Allemagne, on arrive à 31-32%. Donc il ne faut pas croire que ce qui est décidé à Bruxelles, ce n'est pas les Français qui le décident. C'est en grande partie les Français qui le décident au final, parce qu'on est assez puissants par rapport au reste, et assez nombreux par rapport au reste de l'Europe. En tout cas, du moins, ce qui est clair, c'est que c'est en général, c'est toujours plus de la moitié des États membres qui le décident et plus des deux tiers de la population des États membres. Mais il est clair aussi qu'il est très rare que quelque chose se fasse quand la France est contre. Parce que déjà, nous avons des ressources, nous avons des fonctionnaires motivés, voilà. j'espère que je le montre, mais nous avons aussi un poids dans les institutions par cette règle de vote. Et ensuite, pour répondre à la question de tout à l'heure, eh bien, une fois que le Conseil s'est mis d'accord en son sein, eh bien, il va négocier avec le Parlement. Et Bruxelles, même sur les sujets les plus clivants, c'est une machine à faire du compromis, parce qu'il y a donc cette règle de vote au sein des États membres, et après, le Parlement, qui lui aussi fait ses discussions internes comme tous les parlements du monde, il a ensuite, lui, sa vision de la réforme que la Commission a proposée, et
ensuite, un peu comme les deux piliers de la fusée de Tintin, vous savez, enfin en fait il y en a trois, mais bref, ça m'arrange de vous dire qu'il y en a deux, le Conseil et le Parlement, ça se rejoint et il faut que les deux institutions se fassent leur compromis. C'est pour ça qu'à la fin, il peut arriver qu'on ait un peu de mal à y retrouver absolument ces bébés du début, surtout d'ailleurs la commission, parce que c'est elle qui a tout rédigé au début et puis à la fin bah, elle voit le résultat, mais en général, d'ailleurs on ne voterait pas pour sinon, on est plutôt satisfait du résultat, et le résultat en soi d'avoir réussi à mettre d'accord et à construire une forme de consensus au niveau du continent, c'est quand même, enfin sur des textes qui sont quand même parfois très compliqués, c'est déjà en soi une véritable réussite. Et je pense que ça répond parfaitement à la question de Lucas sur les réseaux sociaux qui demandait s'il y avait des diplomates au ministère de l'Intérieur, et je pense que tu as un exemple, Lucas, de ce que c'est la diplomatie au ministère de l'Intérieur, sur différentes thématiques, la sécurité civile, on en a parlé, l'immigration, on en a parlé, la sécurité tout court, on en a parlé, les pièces d'identité et les titres, on en a parlé. Est-ce que toi, dans ces 6 mois qui viennent, il y a une réunion particulière ou un sujet particulier qui te tient à cœur, dont tu voudrais nous parler plus spécifiquement, parce que je crois que tu nous as dit qu'il y avait une trentaine d'événements finalement qui étaient organisés ou de réunions emblématiques. Est-ce qu'il y en a une plus que les autres qui t'intéresse ou que tu aimerais voir aboutir? C'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout parlé des négociations à Bruxelles, mais la PFUE, la présidence française, c'est le sigle un peu barbare, la PFUE, c'est aussi des événements, des conférences, des négociations plus informelles qu'on organise en France, en essayant de mettre les petits plats dans les grands pour que nos collègues gardent un bon souvenir de notre pays. Et puis aussi, à cette occasion, mis dans de bonnes dispositions par le bon accueil qu'on leur réserve, ils soient d'autant plus aptes au compromis. Le Covid nous touche comme tout le monde, et on a déjà une bonne partie de nos événements de janvier et maintenant de février qui sont passés en visio, donc c'est clairement un crève-cœur. Hein. D'ailleurs, même à titre personnel, ça fait plus d'un an que je visite des salles, que je prévois des lieux et tout ça, et puis voilà, il faut qu'on passe en visio. Mais bon. Sécurité sanitaire avant tout, absolument. Une réunion dont j'espère qu'elle va bien se passer, bien évidemment, c'est la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Justice qui se passera dans trois semaines à Lille, sur les sujets qu'on a mentionnés, et où on essaye à notre humble niveau de faire en sorte, au plan organisationnel et en préparant des dossiers de fond, que les ministres puissent vraiment profiter de ce moment qui est encore un peu en début de PFUE pour lancer un certain nombre de négociations très importantes sur les meilleures bases possibles et dans une bonne ambiance. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite, qu'on souhaite à toute l'équipe qui travaille à tes côtés. D'ailleurs, peut-être pour terminer, sauf si vous avez d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Pour terminer, peut-être, je pense que tu voudrais rendre hommage aux équipes qui travaillent avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette direction, la direction des affaires européennes internationales du ministère de l'Intérieur et de tes collaborateurs finalement? Mais comment absolument. Vous êtes organisés? Comment ça se passe? Ben oui, je les salue d'ailleurs s'ils nous regardent en ce moment, n'est-ce pas? J'en ai parlé au tout début et pour moi c'était important puisque c'est une équipe qui est assez jeune, qui est assez neuve et qui travaille d'ores et déjà beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup trop, mais c'est pour la bonne cause et dans quelques mois on pourra lever un tout petit peu le pied. On est parti du principe quand cette idée de créer une DAEI a germé, dans un grand ministère comme le nôtre, il fallait une approche unifiée des sujets européens et coordonnée. Parce que les sujets bruxellois, j'ai essayé de le montrer, ça demande un peu de tactique, un peu de stratégie, de l'anticipation. Parce que quand la Commission, par exemple, commence à réfléchir à un texte, il vaut mieux être au courant pour lui donner les bonnes idées au bon moment. Donc pour ça, il faut quand même créer une sorte de task force très interservice. Donc on est une dizaine à s'occuper de sujets européens, une dizaine à s'occuper de tout le reste du monde, ils ont fort à faire, et une dizaine d'autres collègues qui s'occupent d'influence française, d'affaires juridiques, etc., sous l'autorité d'un préfet et auprès du secrétaire général. Et donc là, par exemple, dans le cadre de la PFUE, puisque c'est un peu... On a été créé
à l'occasion de la PFU, mais on demeurera par la suite, eh bien, on a essayé vraiment d'instaurer des habitudes de travail très collégiales en interservice et aussi avec le secrétariat général aux affaires européennes, qui est à Matignon, et le ministère des Affaires étrangères, pour sortir un petit peu de l'approche en silo qui est inévitable dans une grosse organisation comme le ministère de l'Intérieur. Il faut que les experts se parlent entre eux, il faut que les collègues se parlent entre eux sur des sujets précis, sur des réformes concrètes, et ensuite chacun s'organise pour le faire valider en interne dans sa propre boutique. Et je crois qu'on est en train de créer un collectif, en passant par des moments difficiles, mais aussi par des vraies satisfactions, comme le simple fait de voir que les premières réunions qui ont eu lieu la semaine dernière, et encore, je crois qu'aujourd'hui nous avions 3 réunions, une sur les visas, une sur les systèmes d'information, à l'heure où on se parle, elles sont en train de se terminer, et je crois que pour l'instant, tout se passe bien. Donc vraiment, c'est une grande fierté, et si les collègues me regardent, voilà, je leur confirme combien je suis fier du travail accompli d'ores et déjà. Eh ben, c'est tu leur dis, on le dit à tous, c'est vrai qu'on est très fiers d'être partie prenante de cette présidence française de l'Union européenne, nous au ministère de l'Intérieur, grâce à notre DAEI, grâce à tous les intervenants des directions qui participent. C'est vraiment important de voir comment les choses avancent, de voir comment l'Europe finalement est en toute chose et appartient et permet ainsi de faire évoluer les affaires intérieures. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été présent pour le chat de ce soir, d'avoir posé vos questions. Anunator, j'espère que le son au final est bien passé. On va voir pour les réglages la prochaine fois pour qu'on ait encore plus de son. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, que ce soit sur Twitter en DM, sur Asta aussi, porte-parole AMI, sur la chaîne Twitch. Et puis on se rejoint la semaine prochaine, si vous le souhaitez, le jeudi à 18h, pour un autre sujet, une autre thématique. Je ne sais pas encore laquelle, on vous dira sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bruno, un grand merci à toi, c'était hyper clair, on a tout compris. Super, et voilà, nous aussi on a envie de participer à cette présidence française de l'Union européenne. Et on attend, on espère les évolutions qui aillent dans le sens d'une plus grande facilité aussi pour nos collègues sur le terrain, pour mieux faire son travail sur des sujets aussi sensibles que l'immigration, la sécurité, la protection et la sécurité civile. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Encore merci Bruno. Un grand merci Camille. Et on vous retrouve à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.